calendrier complet Real Madrid avec FC Barcelone et pour moi juillet on a gagné un classique. Messi pour que je suis capable de présenter dans MLS San Braldo pour qui ça. Et du monde, il n'a pas fait partie de 11 qui a joué jeudi. Hein. Tout ça, nous allons détailler pour vous. Mais Nabdou, c'est tout à l'heure après un coup de pause. Ce n'est pas jeudi, je cherche un côté qui bail service real estate, non? Un côté qui vend kay tout côté dans Floride. Oh, ou même, ou en décrochendo, ou pas tant de parler de Suncoast Realty, tout service ou m'a dit ou là, c'est là où a venu, oui. Qui adresse souple? L'issue 1923 North 164 Street, North Miami Beach, Floride 33162. Téléphone dans c'est 305-332-5295. Relais WhatsApp ou bien texte seulement. Petit m'gen ou en Saint-Domingue tout, c'est même service là? Ya, li relais Suncoast Multiservice. Là, nous avons fait réservation hôtel, billet d'avion pour planifier voyage dans le monde entier. Nous organisons excursions, nous faisons passeport, nous mettons visa, des services mon cash avec prestamos. Nous faisons extrait d'archives et même légaliser documents. Oh, trop bagay. Bon adresse pour mal mettre visa. Lisou 44 président de Vasquez Santo Domingo Este. Téléphone dans c'est 829-593-8734. Ah, bon pour nous Altea. Qu'on y a mouek. Bon salutation pour nous toutes, c'est un réel plaisir pour Score Exact rentrer la carte pour informer et m'a souhaité chaque monde qui a regardé m'la un bon week-end. Ou même qui tombe sur vidéo ça pour la première fois, nous vous merci et n'a pas invité à abonner, activer cloche notification pour pas jamais rater une vidéo nous yo. Et ou même qui t'a aimé Score Exact passer publicité pour là dans vidéo nous yo, ou capable faire ça. Et ou gain nous gagner deux numéros de contact, premier c'est 37 15 65 73 3541-0245, relé pour capable prendre moment pour là ensemble avec Score Exact et ou pas pour regretter les ou fait partenariat ensemble avec Score Exact. Nous gagnons en pile belle information nous va partager ensemble avec vous. Pas bon la caille nous c'est Gold Cup, c'est jeu centra-américain et pour match n'a je jodi qui c'est un match de préparation mais son match officiel que la pille tout parce que la FIFA nan match ça nous pas gagné service du money. Entraîneur Delphine li sorti l'islien. Surprise du money paladin. Mais nous pas besoin toi inquiéter nous du money c'est repos que au bali parce que il gagne en tension musculaire. La belle et bien nan Coupe du monde là mais yo mandé repos pour lui et entraîneur a choisi bal repos malgré c'est un bel test la pire pour nous plus tard face à Malte li pap la. 11 moun que entraîneur a fait appel à lui, gardien nous gagne Lara Larco, défenseur nous gagne Tabitha, Jennifer, Whitney et puis surpris. Dans mitan terrain nous gagne Ketna, Shirley jeudi et puis devant nous gagne Diana, Nerilia, Bathsheba et puis devant net là en neuf nous capable dire c'est Roselor et équipe là a campé 4-2-3-1 c'est comme ça que n'a joué c'est face à Malte j'aime te dire nous déjà c'est un bel test que l'a payé pour nous gagnons Grenadier yo j'aime te dire hier qui est en Charlotte il a préparé match que il a joué demain face à Honduras et jodi il a entraîné sous terrain que il gagne pour jouer demain hein. C'est à une belle rencontre c'est une rencontre qui a en pile importance pour nous côté que nous besoin en victoire pour nous capable gagner 6 points les ça nous pas besoin qu'on ait l'autre résultat l'autre monde du tout nous pas gagner pièce calcul que n'a fait on dit Honduras gagne un point. Yo gon coup pour yo jouer mais nous même n'a frappé plus fort ça nous besoin c'est une victoire et demain à 9h on espère que tout Haïti va camper derrière ti monsieur et y a besoin ça très important. J'ai monté hier jeu centra-américain yo côté que n'a participé là-dedans et nous gon épreuve là qui c'est basketball. C'est 3 par 3 que nous y est sous terrain et Haïti là dans U23 nous bat Jamaïque hier 16-10 et c'est nous même également qui finit MVP, bon joueur dans nous qui finit MVP, c'est Max Maxon. Et dans micro la presse, monsieur remercier tout le monde qui te bal push et lui promet nous jodi hein, que la fait pi belle bagaille parce que Haïti, qui n'a groupe B, la joué à 5h jodi hein, contre République Dominicaine, que nous qu'on habitué battre et après-midi on a battu encore. C'est ça nous besoin, c'est battre net, seulement nous besoin. Et demain, ma pote résultat, belle rencontre ça pour vous également. Jodi hein, c'est pas seulement. Monsieur, c'est basketball seulement que n'a participé. Nous avons notre discipline qui c'est football et n'a joué à 5h. U23 également face Venezuela et nous connaissons Fioda qui a entraîné joueur nous. Nous espérons que y a pas de jouer une solution semaine ça là.
dans match que vous avez perdu. Et je dis, j'espère que vous avez une solution pour nous capables de gagner de belles résultats captant nous et de bons résultats tout pour nous capables d'avancer. Et me souhaiter que nous venions rentrer en Haïti au moins avec même une médaille. Ça, vous avez fait que un pile haïtien content. Et bravo avec tout le monde qui contribue pour Haïti à faire bel effort ça, année ça, parce que nous avons plusieurs compétitions de grande envergure. Nous allons à l'étranger, nous avons un pile d'informations à partager ensemble avec vous, mais nous avons été branchés sur exact, nous tourner tout à l'heure. En plus, nous toujours joué, nous finissons une information. Mais après 2-3 jours, même nous qui avons joué, nous avons que ça, nous avons dit, c'était vrai. Pour vous dire que depuis sur score exact, c'est information de première main que vous avez. Vous avez juste abonné, activer cloche notification, hein. Le ça, par une vidéo que n'a fait pas pour qui veut jouer nous. Et après, au fin de score exact, vous avez informé et vous avez bien informé. Essayez après vous avez une nouvelle. J'aimerais te dire, nous gagnons un peu d'informations, nous allons partager ensemble avec vous. Nous connaissons Mercato et presque toute équipe honnête a pour reprendre le 10 juillet pour montrer que c'est un mois seulement qui sépare nous de compétition yo parce que toute bagaille officiellement a pour reprendre tout en note n'a pas été communiqué aux dates tout championnat yo a recommencer. Nous allons aller en Espagne pour nous parler de Rafinha. Rafinha qui auteur en belle saison avec FC Barcelone, surtout dans deuxième moitié de saison. Hein. Barcelone, Rafinha qui fait 10 goals et 10 passes décisives pour saison hein, avec FC Barcelone. Et il était débarqué dans Barcelone pour 58 millions de saltables joués dans Leeds. Et Arabie Saoudite, li piste Rafinha. C'est une nouvelle qui pas fait un pile monde plaisir, mais Arabie Saoudite tout l'a fait équipe lui-même. Arabie Saoudite l'a cherché bagay qui plus bon pour lui et l'a contacté board FC Barcelone pour le compte combien corps pour mettre sous table pour FC Barcelone. Mais pour le moment, Barcelone boudé invitation, pas invitation, boudé ça que Arabie Saoudite t'a rien fait pour le contacter, le demander le prix joueur Barcelone. Pourquoi répondre bagay ça? Mais c'est affaire à suivre parce que Barcelone par contre combien cob yo kabali ni Arabie Saoudite tout le besoin qu'on ait combien cob pour le bail pour Rafinha. Nous même n'aptan tout ça qu'a fait pour nous tout comment ça y est. Franck Kessié qui gagne seulement 26 ans qui t'a rejoint FC Barcelone libre les salti t'a joué dans AC Milan saison qui passe à là. Franck Kessié c'est un petit détail tout petit qui était pour aller Arabie Saoudite. Même penser que son bel joueur que Franck Kessié est capable utile FC Barcelone mais il doit pas rentrer dans profil club là parce que Barcelone nous voit que c'est espagnol le plus souvent les plus mettez pied. Monsieur il doit quitter Barcelone pour aller Arabie Saoudite pour seulement 20 millions d'euros et ça a débloqué FC Barcelone pour le capable pousser sous Brozovic. Brozovic n'a pas que qui a 30 ans, qui n'a pas même joué avec Franck Kessié, mais Franck Kessié plus jeune, il a 26 ans, mais Barcelone c'est pour Brozovic que l'opté. C'est Barcelone qui a fait équipe, c'est lui qui a bon pour lui, mais Franck Kessié est capable d'aller Arabie Saoudite. Officiellement, il y a 5 joueurs que nous pas chambre moins sous couleur FC Barcelone. Il y a Sergio Busquets qui va aller dans MLS là. Nous avons Antoine Griezmann qui est dans Atletico. Trincao, nous avons Jordi Alba qui est capable d'aller dans MLS, qui va prendre même direction avec Léo Messi. Et Umtiti, 5 joueurs ça yo, officiellement, yo pas rien à revoir avec FC Barcelone. Il y a l'autre qui vient toujours, mais c'est ça yo en attendant qui pas joué FC Barcelone encore. Calendrier complet FC Barcelone pour pré-saison. Barcelone reprise pour tout joueur rentrer, commencer à entraîner, c'est 10 juillet que la pied. 22 juillet, Barcelone a joué face à Juventus. 26, Barcelone a joué face à Arsenal. 29, c'est Clasico face à Real dans AT&T à Dallas. C'est un sac qui est capable de prendre 80 000 monde. Je vais souligner pour nous, même si nous sommes aux États-Unis, football là, pas sport de prédilection, mais vous avez un peu d'infrastructure. Pas oublier que vous organiser plusieurs grandes compétitions et Coupe du Monde 2026 là c'est 3 équipes qui vont organiser li c'est Mexique Canada États-Unis yo gagné des stades qui vraiment bien fait pour yo recevoir belle bagaille et yo choisi stade ça qui à Dallas pour capable recevoir Clasico qui toujours est ton Clasico parce que saison dernière là t'es gagné un Clasico c'est sur ton mini tournoi que lié et c'est Barcelone qui te bat avec un bel goal de Rafinha moi c'est que nous toutes net nous
songe ça et il a précisé année ça encore. Nous gagnons 2 août Barcelone a joué face à Milan et Barcelone premier match il a joué soit 12 ou bien 13 dans Liga 13 août c'est face à Getafe. Ça fait me dit 12 ou bien 13 parce que soit regarde dans calendrier Liga tout match ni dans deuxième division ni dans première division nous avons tout match c'est 13 mais yo pas capable de jouer 13 réellement il a fait décantation quand même 12 13 et gain quand même 14 tout dépend parce que yo pas capable mettre tout le monde jeu le 13 et Barcelone il est en qu'on adversaire lui qui c'est Getafe. N'a toujours été en Espagne pour nous parler de Real Madrid. Real Madrid côté que Vinicius Junior, li sorti là avec un titre, m'pa di yo bay trophée mais quand même UEFA sous site UEFA yo fait un vote côté que yo choisi 10 meilleurs goals qui étaient gagnés dans Ligue des Champions qui s'est passé là. Moun ki premier c'est Léo Messi gol que il t'a fait sous Benfica côté que gol ça c'est 1 2 3 nous gagne Messi qui bat Mbappé bat Neymar et Neymar bat papa et c'est dans la lucane Messi t'a fait un bel gol le ça c'est lui même que internaute choisi comme meilleur gol qui gagne pour Ligue des Champions saison ça. Deuxième joueur qui nan top ça là nan top 3 c'est Vinicius Junior. Vinicius gol que il t'a fait sous Manchester City a yo sélectionné c'était un bel gol côté que Kamavinga fait et font bel travail sous gol ça, il fait un course plus de 30 mètres pour te servir Vinicius et défenseur qui était sous ligne nan sama Vinicius yo tout collé sous Benzema parce que dans tête pas yo c'est Benzema que Vinicius va servir et Vinicius surprend tout le monde il t'est croqué Ederson c'était gol ça li élu deuxième gol UEFA dans Ligue des Champions et troisième nan c'est Erling Haaland qui t'a fait un gol à la Zlatan. Erling Haaland t'a fait gol ça sous ancienne équipe qui c'est Dortmund c'est trois monsieur Sao qui dans top 3 ou gol qui pi bel nan saison 2022-2023 nan Ligue des Champions. Real Madrid également pré-saison nous gagne calendrier pour reprise entraînement yo c'est 10 juillet. La prend avion pour aller aux États-Unis le 19 juillet même avec si Barcelone c'est là que y a fait pré-saison an, et ou même nan moment qui en vacances juste chercher qu'on a qui cette monsieur Oye ça qu'arrive ou dans stade pour garder ou la pour belle bagaille parce que aux États-Unis c'est à quelques paliers de nous là c'est juste ticket à nous besoin avec visa pour nous aller et le 23 juillet Real Madrid a joué face à Milan 26 juillet face à Manchester United, 29 c'est Classico à Cap Fête Dallas, non stade qui gagne 80 000 monde face à Real Madrid, d'expliquer ça déjà. Et 2 août, Real Madrid a joué face à Juventus et premier match Real Madrid dans Liga, c'est en déplacement que Real Madrid a pied, c'est Kai Atletico, 12 ou bien 13 août et n'a pas pour te jour ou bien date précise là pour vous, pour qu'on qu'il est que Real Madrid a joué. Real Madrid a 20 joueurs tout Real Madrid mettait 4 joueurs là sous liste de vente sous marché a qui officiellement les ouvri jodi qui c'est 1er juillet tout joueur qui était acheté avant yo jodi là il a pris acte et me dit ça déjà et club Liga yo yo gen un jour en plus au lieu de 30 septembre mais 31 septembre 6 mois c'est 31 la pote. Club Liga yo y a fini yo même 1er août yo gen un rallonge d'un jour que yo ba yo ki a vraiment bon pour yo. 4 joueurs sa yo, c'est Odrio Zola Alvaro, que contre la fini en 2024. Nous gagnons Lucas Vasquez, qui remet Real Madrid, qui pata remet rete, mais Real Madrid mette sur liste de vente quand même. Juventus avec Real Sociedad, gagnant poste la, pour yo capable poste la, gagnant pour yo capable recruter joueur. Nous gagnons Jesus Valero et Fernand Mendy lui-même c'est pas quitter ta quitter Real Madrid blessure fait que joueur ça pas capable Real Madrid toute sale gain besoin Real Madrid a fonti Kobavel et li mettait sous liste de vote mais joueur qui capable plus aller là c'est Odrio Zola c'est lui-même là qui capable jeune mon acheter en vent mais quatre monsieur ça yo bel et bien sous marché pour Real Madrid. Mbappé li toujours beaucoup capable venir Real Madrid gagné un agent joueur qui est Ivan Lemé. Monsieur t'allé non émission à succès qui gagne en France qui est les After Foot. C'est une belle émission que m'éviter nous garder parce que c'est une émission qui parlait tout bagage surtout de joueurs français yo parlait de yo et monsieur critiquait ouvertement maman Mbappé qui c'est Faïda. Maman Mbappé c'est lui-même qui agent Mbappé, c'est lui-même qui décidait pour Mbappé.
Monsieur dit, si Mbappé te gagné un agent, il tape bien temps dans Real Madrid déjà. Et l'avance pi plus pour le dire, Faïda c'est maman Mbappé, li lié business là avec amour paternel ou maternel que le capable gagner pour Mbappé. Là c'est agent joueur, c'est business ko wè, c'est bagay ki pi bon que ou choisi pour joueur. L'autre problème li dit Faïda pas gagne licence. Parce que les courants en France, depuis où c'est frère mon nom, c'est seul, ou capable agent. Parce que agent, yon gen commission, yon gen sous chaque transfert ou bien chaque bagaille que joueur capable gagner, yon tout profiter de ça pour yon faire comme la riton seul côté. Mais il dit que bagaille ça bral changer parce que comité cap gérer agent yon pral stipuler clair pour capable agent un joueur professionnel faut pour gagner licence. Il dit si Faïda te gen licence ou bien si c'est ton agent très réputé qui t'a géré Mbappé t'a gen tan Real Madrid et jusqu'à présent nous Real Madrid pourquoi qu'a prendre Mbappé et Mbappé nous voit que il pas heureux à Madrid, ça c'est propos Ivan qui pourquoi pas heureux à dans PSG, ça c'est propos Ivan Lemay et nous même tout nous elle pas content parce que on joueur qui content nos équipes a fait bagaille vann nan ou pas Jamwell n'a songé que les Marcelo t'es dans Real Madrid. Marcelo pas de jam sur les 20 pièces bagaille. Li fini avec Real Madrid, li choisi fini. Même avec Luka Modric, même avec Toni Kroos ou joue ça au temps en temps ou ba un petit contrat un an. C'est les rap dit pas capable encore Real Madrid a metti ouate. Et ouais Mbappé chaque saison gonfeuton là, monsieur pas heureux et d'après Ivan Lemay, c'est maman Mbappé qui fait toute bagaille ça yo, rivé côté yo rivé là. J'aime te dire hier, je dis officiellement tout contrat a pris acte. Et nous allons voir quelques bagages qui t'est passé dans ce maintenant qui vini officiel à partir de jeudi. Nous gagnons Anthony, côté que Manchester United dit que il fait une mauvaise saison et au tableau Campbell. Et me pensais que on est lié qui pas titulaire qui fait 8 goals, 3 passes décisives. Pas qu'attendre l'on dit ni faire mauvaise saison. Mais là, cherche information puis fond nous est que monsieur c'est pas pour mauvaise saison que on envie camper dans l'équipe là, c'est parce que il fait violence conjugale côté que et menace de mort sous madame ni que dans machine côté que il bat fia et là Manchester United voulait font petit camper monsieur et monsieur dit fiancé soir pour moi ou bien pas pour l'autre monde. Peut-être que non bagay nan fia là c'est diamant seulement que la donne ka comprendre monsieur parce que diamant pas un diamant à terre. Donc on diamant faut qu'on valeur diamant m d'accord ensemble avec lui parce que pour femme qui gagne brésilienne encore pour belle monde qui gagne pour camper pour dire c'est fils ou vle si fils a pas vle avoir papa l'autre monde ça tout ça aussi l'amour parce que le belle ti monde l'aurait aimé. Vous comprenez moi l'aurait aimé il vraiment belle et monsieur là l'a payé pour casser et nous ouais Manchester United son club qui toujours attaché à bagay ça. Nous songe John Terry qui était un scandale quand il était trompé madame ni Greenwood ça était plus près à la li bat ménage li était campé et là Anthony club là pas connait mais monsieur sans yo chaud yo toujours besoin bat madame yo tromper madame yo et Manchester United toujours gain genre de joueur ça yo malheureusement pour image club là n'a dit que Rafael Leao désormais numéro le changer c'est numéro 10 que l'a gain dans Milan pour saison ça, Thuram Marcus li signé officiellement à l'Inter, Lucas Hernandez en nous te dit là officiellement li signé dans PSG, Timothée Weah li engagé officiellement à la Juventus, El Shaarawy li prolongé avec AS Roma jusqu'en 2025 et Cesc Fabregas champion du monde 2010 li raccroché campon li di babaya football qu'on a regardé devant télévision ensemble avec nous ou bien moun sa ou le plus souvent les quitter football ou c'est agent joueur ou bien ou gagné des parts dans des clubs et bravo à Cesc Fabregas qui te fait un passage dans FC Barcelone et monsieur prend tout titre qui presque possible bon joueur capable prendre bravo avec Fabregas une riche carrière que li gagné et n'a dit que li c'est bon ami en pile joueur qui était passé dans FC Barcelone dont Léo Messi. MLS là jusqu'à présent, li gon ti problème là pour signer Léo Messi. Léo Messi qui t'a supposé signer ou bien présenté officiellement le 16 juillet et pour le capable jouer 21 juillet non match que l'a joué face à Cruz Ague, c'est comme ça équipe la relais, mais pour le moment là, un petit problème administratif. D'après directeur sportif club là, qui est le Chris Anderson, il dit que pour le moment, bagay ou poukou capable avancer, mais l'espérer que gen bel avancé qui fait pour moi juillet, parce que presque toute
ticket pour match là gen tan fin von et si yo pa bay moun yo Léo Messi le 21 yo capable gen en pile problème et si monsieur vin dans la presse li dit ça c'est parce que le connaît que baka yo pa gen tan bon pour match juillet parce que c'est en juillet que nous y match là 21 si ou gen tan courir devant la presse ou dit ça c'est parce qu'on senti gen l'autre bagay qui plus d'ordre administratif qui fait Léo Messi pour capable signer mais il c'est joueur Inter de Miami li pour capable signer officiellement il y a tant pour voir comment bagaille a fini et moun ki gentan acheté ticket yo commencé à faire un domon là parce que match ça c'est 21 et c'est pour Messi tout moun a acheté ma ticket ya, et ou même qui va acheter ticket tant score exact de Messi prolonger si présenté avant ou acheter ticket ou pas dit comme si c'est pour Messi que ou t'a braler dans stade là. C'est toute information ça que score exact ti pote pour. Non pas monsieur Mirland, moi remet nous en pile. Bon week-end, reste zen, la paix sur vous et bon golf.